Michel, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir choisi de venir vous parler. Vous savez que ce geste m'a touché beaucoup. Voilà, Michel, vous avez comme débuté le judo en 1958 au Sporting Club Provençal. 1958, pour aujourd'hui. Ça fait 52 ans. Quand même pas mal. Vous faites vos études au Krebs-Vulgar et vous êtes nommé en 1967 comme conseiller sportif, professeur d'EPS à la direction départementale de la jeunesse et des sports d'Arbenois. Vous êtes Saint-Ouen en 1974 et professeur de judo en 1977. Vous êtes passionné pour le sport. Participation au développement dans les écoles de judo. Création des écoles de judo de Balandré, Saint-Amérique, Moussier, Château-Renaud, Sonzay, et de l'ESB Croix de Toulouse. Entraîneur de l'US Renaudin et de Songet pendant 20 ans. Entraîneur et directeur technique de l'ESB Croix depuis 1972. Là aussi, il faut dire que c'est quand même déjà depuis. Animateur avec qui Delvin, avec qui et ensuite avec au Collège Cornell, préparation de la formation de nombreux champions et championnes. Monsieur champion, vous avez sorti beaucoup de champions dans votre carrière, et là nous en avons encore qui sont restés. Comme les frères Massina, comme Corinne Barnesco. Et puis, aussi quelque chose, c'est que un chroniqueur de télévision et de radio que vous avez formé jusqu'à la Saint-Barbara avec un nouveau. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose. Et il est très reconnaissant puisque votre frère, il est venu lui dire un peu. Ça, c'est quelque chose qui marque dans les années. Vous participez à l'entraînement avec Lionel Hérin et Laurent Diaz du Centre de perfectionnement sportif. Vous êtes Saint-Ouen, troisième balle. Je vais prendre un état là, cette modeste. Vous êtes juge régional, arbitre régional, et vous recevez. Mais oui, c'est pas juste. Et vous recevez maintenant le mérite. Vous avez la palme d'or d'enseignement. Vous avez la médaille d'argent de la fête FJA et la médaille d'or de la fête. Conseil des Saint-Ouen, de vous remettre un